Bonjour tout le monde! On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et avant tout, on voudrait vous souhaiter une très bonne année. Alors, en ce début d'année, on a décidé de vous parler de reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? Eh bien, la reconnaissance, c'est apprendre à dire merci. Merci pour ce que l'on a, merci pour ce qui est autour de nous. Dire merci à Dieu. Alors, Lucas, quel est ton animal préféré? Tous les animaux. D'accord. Evan, quel est ton animal préféré? Les animaux de la savane. Et vous, quel est votre animal préféré? Oh, je vois. Eh bien, je pense que vous allez être contents parce qu'aujourd'hui, je vous emmène au zoo. Alors, Evan, est-ce que tu peux nous apporter le livre, s'il te plaît? Oui. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Le monde s'éveille. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Oui. Oui, Lucas? Alors, c'est parti. Voici le jour que le Seigneur a fait. Un papillon tourbillonne dans l'air frais, tandis que les libellules filent entre les fleurs et les pins, et que les sauterelles sautent dans la brise du matin. Les abeilles qui bourdonnent au soleil semblent toujours occupées alors que les coccinelles les appellent pour jouer. Regarde comme le lever du soleil a coloré l'horizon. Regarde les oiseaux qui volent et chantent leurs chansons. Le monde s'éveille, c'est un endroit merveilleux, vivant et heureux par la grâce et la puissance de Dieu. Dans le jardin, nous attendons pour la journée toutes sortes de jeux et d'activités. Les dons du Seigneur se trouvent partout, et tout ce que je vois autour de moi le loue. Le monde est tellement joyeux et parfait, même les rochers chanteraient s'ils le pouvaient. C'est pour louer le Seigneur que les arbres sont si grands, que l'herbe est si verte et que les fleurs poussent ce chant. Regardez-nous, c'est Dieu qui nous a habillés, c'est lui qui a fait les arcs-en-ciel et le ciel azuré. L'eau qui brille au soleil et les jours d'été fantastiques. Et toi aussi, toi qui es magnifique. Et tout à l'heure, que pourrions-nous faire? Je sais, allons au zoo prendre l'air. On pourra acheter des ballons et rencontrer un lion. Et tous les autres animaux, ils sont tellement mignons. Tu vois cet ours allongé? Il aimerait bien se reposer, mais les jeunes kangourous font autour de lui un bruit fou. Les loutres agiles nagent parmi les poissons. Les coyotes joueurs hurlent leurs chansons. J'aime les zèbres, les lions et les éléphants aussi. Les pandas, les pingouins et les hiboux qui font la nuit. Les paons et les panthères, un mouflon et ses drôles de cornes. Et ce vieil ours grincheux qui essaye de faire un somme. Ici, au zoo, c'est un vrai défilé de toutes les créatures merveilleuses que Dieu a créé. Mon ventre gargouille, il se met à grogner. On croirait entendre l'ours, il est temps d'aller dîner. Et si nous allions au marché pour trouver de quoi manger? Dieu nous fournit toujours de quoi nous régaler. Au repas, je m'assois sans bouger. Je ferme les yeux et commence à prier. Je remercie le Seigneur pour ce bon repas, pour les carottes préparées par papa, pour le pain, le fromage et le lait que je bois, même pour les choux et les petits pois. C'est tellement bon! Je mange et puis je dis encore une fois au Seigneur, merci. Quand mon ventre est plein, je commence à bâiller. Dehors, la nuit est presque tombée. Tout en haut des arbres, les feuilles frissonnent. J'entends l'amour de Dieu dans la brise qui fredonne. Le vent murmure des histoires ce soir. Et là-haut dans le ciel, la lune brille comme un phare. Alors, je dis ma prière et je me mets au lit. Je me blottis contre maman et j'écoute l'histoire qu'elle me lit. La nuit est douce, calme et silencieuse. Je vais faire de beaux rêves. Je vais faire de très beaux rêves. De très, très beaux rêves. Voilà, c'est terminé pour cette histoire d'aujourd'hui. On espère que notre petite sortie au zoo vous a plu. Et nous, on se dit... Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on se dit d'ailleurs? À très bientôt pour des nouvelles surprises. Eh oui, bye bye. Bye bye.